Yo les gens, c'est Kero, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour un nouvel épisode de mon Let's Play sur Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Putain, m'a fait peur, non ? Alors que j'entends l'hélicoptère. Donc voilà, on reprend la mission principale. Je me rappelle plus du tout. Ah, c'est voilà, en suivant la piste. Donc on doit suivre le subordonné du Major. Donc voilà, le commandant du SMP connu sous le nom de Major répond une rumeur sur la vente d'armes nucléaires. Suivez son subordonné et éliminez le Major. Donc voilà, on doit suivre le subordonné qui a 253 mètres, qui va nous conduire jusqu'au Major. Et donc bah la dernière fois, on avait commencé cette mission et juste avant j'avais accompagné les enfants soldats à la Mover Base, donc la mission d'avant. Donc voilà, on les avait sauvés, et puis donc là ils sont bien au chaud à la Mover Base. Et bah allez, c'est parti, on va continuer la mission. Alors qu'il y a Quiet qui chantonne depuis tout à l'heure là, fait mal à la tête un peu. Non, je rigole. C'est toujours un plaisir de l'entendre, Quiet. Alors attendez, d'ailleurs elle est où Quiet? Ah bah elle est déjà là-bas. On va lui dire d'aller ici quand même. Sinon vous, j'espère que vous allez bien et je compte faire enregistrer deux épisodes à la suite pour aujourd'hui. Donc l'épisode 38 et 39. J'espère terminer cette mission en tout cas durant cet épisode. Et j'ai vu pour ceux qui vont encore en cours, c'est pas mon cas, pour ceux qui vont encore à l'école, qu'il y en a qui étaient encore en vacances, donc bonnes vacances à vous si regardez ce let's play. Sinon bon courage à tous ceux qui ont repris le... Oula, ils se déplacent, attendez. Ouais, bon courage à tous ceux qui ont repris l'école, le taf et tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il va où? On va pas s'attarder sur ce petit camp. On va les suivre. Faisons attention quand même. Il y a Quiet qui se met en place, hein. His vehicle stopped. Ah. Is that where he's meeting the target? Map has been updated. Bon, on va aller voir ça. Du coup, j'ai peut-être nettoyé ce petit camp là. Alors. Analysis complete. T'es pas mal toi. Analysis complete. Il y a un prisonnier là-bas. On va essayer de le faire lui aussi. Ok, il est là. Analysis complete. Le subordonné du Major. Analysis complete. Analysis complete. Bon. Oh, je vous ai pas vu. Analysis complete. Analysis complete. Par contre, vous êtes deux, si j'en endors un, il y a l'autre qui va... Tu peux te taire, Quiet, s'il te plaît. Parce qu'au bout d'un moment, ça fait mal à la tête, quand même. Je sais que t'es content d'être avec Big Boss, mais bon, quand même. Comment faire, là? Attendez, j'ai une petite idée. Il se déplace. Arrête de bouger ta tête. Voilà. Donc c'était pas ici apparemment le lieu de rendez-vous. C'est pas grave. Je vais essayer d'aller sauver le prisonnier quand même. Non, je te chutonne pas, toi t'es niveau C. Vas-y, on va prendre à partir de niveau B maintenant. Et toi en haut.
Ah, toi, par contre, je te prends. Oh! Je t'ai touché. Moi aussi, tu me vois pas. Bon, tu vois un corps qui dépasse, mais bon. Voilà. Hop. Par contre, il faudra que je demande des munitions. Toi, t'es bon. Voilà. J'avais cru voir un mec, mais non. Bon, bon, finalement, je m'attarde un petit peu sur ce camp parce qu'il y a un prisonnier, j'aimerais bien le faire. Histoire de, d'avoir une bonne note à la fin de cette mission. Alors, vous là-haut, vous êtes deux aussi. Attendez, vous regardez par où? Analysis complete. Analysis complete. Ok, vous êtes de dos. On va profiter pour fouiller un petit peu cette maison. Hop. Y a pas un petit diamant qui traîne, non? Oh putain, vous êtes deux. Allez voir là-bas si j'y suis. Voilà. Allez voir là-bas, s'il vous plaît. Je t'ai touché. On va demander des munitions et tout. Supplies requested. Mother base is now in the red. Hein? Et là, la mauvaise. Ben, j'ai pas eu le temps de lire ce qui était marqué. J'ai compris de red dans. Ça doit être dans le rouge, il doit manquer des ressources et tout. Bon, attendez, on va attendre qu'ils arrivent les munitions. Voilà. Vous êtes toujours de dos. Toi, on va te fultonner. Et toi, oh, toi, priorité, toi. Direct. Voilà. Et j'espère que vous allez pas vous retourner. C'est bon. On va fouiller un petit peu ici. Des ressources. Oh, j'ai pas vu ça. Un petit plan. Donc la bague dort toujours. On va fultonner ses ressources. Voilà. Donc, allons voir le prisonnier. Je vous laisse tranquille pour l'instant. Ok, vous êtes de dos. Nickel. J'ai bien envie de les faire quand même. Putain. Ah, j'arrive pas à dire. Zé. Bon, tant pis.
attendez. J'ai réessayé. Voilà. Voilà. Donc vous pouvez suivre ce qu'ils disent, hein. Moi je suis pas forcément. Métal précieux. Oh. Caution, rain approaching. Hello. Help me. Ah, attends mon gars. Mais moi, je t'endors. Voilà. Analysis complete. Analysis complete. On te prend aussi. Voilà. Allez, viens mon gars. Subject on board. Leave the rest to us. Pour l'autre là-bas, il s'est réveillé, on s'en fout. Hop là. On s'autorise à courir. Je vais juste voir ceux d'en haut s'ils sont bons ou pas. Ok, subject is in. Ah oui. Ah merde, c'est pas le bon. Le boulet. Voilà. Bon, c'est bien toi qui est bon, hein. Ouais. Development complete. Hop. Et on va voir l'autre en haut. Il y a des choses qui se sont améliorées, comme l'hydroïde, j'ai vu et tout. Ça, c'est cool. Et toi, on te prend. Alors, attention, l'hélicoptère. Bon, ça va, il est assez loin pour l'instant. Le bras fusé, il est amélioré, ça c'est cool aussi. On pourra le tester peut-être l'épisode prochain, on verra. Subject on board. Leave the rest to us. Hop. Bon, je pense qu'on a à peu près tout fait. Si on a oublié des trucs, hein, c'est pas très important. Allez, on y va. Faire gaffe ici. Y a rien là. Non. Extraction arrived at mother base. That's an enemy gunship. A single burst from his machine gun can cut a man in half. Tread carefully, boss. Il est où l'hélico? Ok. Ah, je me rappelle d'ici, cet endroit, quand j'avais joué la première fois. Ok. Detected. The map has been updated. Please select a deployment point. Bien ici. Enemy presence detected. The map has been updated. Attention ici. Ok, il est là le subordonné.
Ok, voici le Major. Et donc c'est quoi déjà le but? Localiser le suivant, son subordonné, éliminer le Major, ok. On doit éliminer le Major. Alors je sais plus s'il faut le faire, il faut le faire tout de suite. On va déjà écouter ce qu'ils disent. Nou is iemand bezig om een vergeldingssquad samen te stellen. Van alle dingen. Ik maak soms mijn handen vuil. Maar ik zie engel in vergelijking met sommige van die bliksems. Slavenhandel. Recht onder hulle neus en hulle wil mij vervolgen. Maar ik is niet een voortrekker, maar jij is helemaal recht. Wie een van ons voelt, prijs op zijn kop. In elk geval, sê die res in een geschreven verslag. Wat meer belangrijk is, is jou volgende taak. ZRS probeer een ouwe man op te nemen. En die iets te doen met de... Gerrit. Geen idee wie die ou man is. Ek verstaan. Ek sal dit ondersoek. Kernwapens te ondersoek is... Wel, is een baie gevaarlike pad om te loop. Ek weet nie. Kan wees wat die plek nodig het. Bon, je sais pas si c'est nécessaire de vraiment écouter ce qu'ils disent, mais... J'ai peur de... Si j'endors le Major, ils me disent... mission échouée ou quoi. Il fallait le faire un petit peu plus tard. Tâche accomplie, donc ouais, il fallait attendre. Je crois, je pense qu'on peut, on peut l'éliminer maintenant. Ah, par contre, si vous êtes un peu beaucoup là, je vais essayer de l'endormir le Major direct. Merde, coupé. Attendez, on va aller l'endormir. Merde. À un moment, je vous ai tous touchés. Normalement. Allez, endormez-vous, s'il vous plaît. Yes. Nickel. What the fuck? What? Il s'est passé quoi, là? C'est quoi ce bruit? C'est l'hélico qui s'est crashé, là? What the fuck? C'est l'hélico, il s'est crashé tout seul. À moins que ça soit Quiet qui lui tirait dessus, mais je pense pas. What? Pour ça, ça tirait vous. Par contre, toi, tu viens ici. Non, c'est bon. Allez, cassez-vous. Voilà. Nickel. Bon, on va déjà extraire le Major, hein. Priorité. Hop. Vous êtes bon, allez. Toi aussi. Okay, subject is in. Et toi aussi. Heard it looks like the treasure trove of intel we were hoping for. Well, whatever. Exfiltrate the hot zone and RTB. Ok. Et comme on a la classe, on va se tirer en voiture. Donc il faut quitter la zone, on va plutôt passer, on va essayer de couper par là, à travers champ, si on peut. Let's go! Bon bah finalement ça aura été une mission qui sera plutôt bien passée, hein, je dis. Comparé aux autres missions d'avant, celle-là c'est bien passé pour une fois, ça fait plaisir. Yeah. Nickel. Extraction arrived at mother base. Development project. C'est quoi ce bruit de déodorant? Mission complete. Alors voyons voir la note. A en B. Là pour le coup j'aurais cru que j'aurais une meilleure note. Ouais bon. Ok. Je sais pas ce que j'ai fait de mal. C'est pas grave, on n'est pas là pour les notes, hein, comme je l'ai dit. On s'en fout un petit peu des notes. Et donc on va voir si on a un petit speech de Miller ou de Slot ou une cinématique. Et puis après, je crois que je retournerai vite fait à la Mother Base, voir quelque chose. The
Major spilled his guts, all right. His nuclear arms business was just a rumor he was paid to spread around. He doesn't even know who's paying him. All his instructions came through a cutout. Hell, who else would be behind it but Cypher? And this nuclear arms trading is clearly connected to that yellow cake. He thought the same thing, which is why he tried to investigate ZRS himself. He said something else that caught my attention. That ZRS had tried to kill some old man. How did one old man get that kind of attention? Apparemment, il voulait tuer un vieil homme, enfin, ce que j'ai compris. Moi, je sais ce qui s'est passé, mais c'est, je fais genre que j'ai pas compris. Moi, je sais ce qui va se passer. On a recruté des bons soldats, bon, je vous laisse dire de votre côté. Hein. Chaque fois, les soldats, c'est à peu près pareil, ils ont des talents et tout. Boss, about those walker gears spreading all over Africa. Huey's got an idea for a counter-weapon. Come on back to base. Ah bah ça tombe bien, je voulais rentrer à la Mother Base. Et donc on va voir UMRI qui a une contre-arme. On va aller voir ça. Contre le Metal Gear. This. It's a variable multi-legged tank. A spin-off of Metal Gear technology. Big fan of spin-offs, isn't he? I hear he borrowed from the Soviets in Costa Rica, too. The design allows for a lot of freedom in setups. It's based around a central core unit, so you can quickly reconfigure the hardware to suit any sort of mission parameters. What the good doctor's trying to say is that it's customizable. Naturally, it will raise the probability of success for standard missions. But it functions as an improved deterrent by increasing your preemptive strike capability against enemy elements. You just deploy it in a war zone, and its superior firepower puts the brakes on enemy attacks. Eventually, the whole war machine grinds to a halt. A true battle gear! Cause I'm having deja vu here. I don't like him any more than you. But we need this. You think it'll cut it in the field? Turning radius is better than any tanks. That's great for regional skirmishes. Tech like this is popping up all among the PFs. Best way to deal with them is to fight fire with fire. I'll await your instructions then, boss. So do we have your approval to commence development? Fine. Consider yourself off the chopping block, Doctor. Ok. Donc, le développement du Battle Gear a commencé. Suivez son avancée en vous rendant dans le hangar de la plateforme de commandement. Ok, donc, UE Emmerich va créer une arme, enfin une machine capable de... Alors, attendez, qu'est-ce qu'il nous dit, lui ? According to the kids, people often disappear from the mine to a place called Nzoyabadiabulo, the Devil's House. On top of that, Saner's involved with the place. Check your iDroid for the mission details. Ok, il nous a donné une nouvelle mission, donc apparemment c'est encore un gamin à aller sauver. Donc ouais, je vous disais, Emmerich est en train de construire une nouvelle arme, donc le Battle Gear pour contrer le Metal Gear. Et donc voilà, Big Boss, on le sent pas tellement... Enfin, il a donné son accord, mais il était pas tellement chaud. Il a dit, voilà, ça le rappelle un petit peu le passé et tout. Donc, il a peur que ça parte un peu en couille, et on le comprend.
Et donc voilà, donc on va bien voir ce que ça va donner, puis on pourra rendre visite pour voir l'avancée du Battle Gear. Qu'est-ce que je voulais faire moi? Ah ouais, par contre, alors attendez, prendre une petite douche. Par contre, moi, je voulais pas aller à la Mother Base directement. Je voulais voir depuis l'hélicoptère. En fait, c'est pour aller jusqu'au zoo. Et je crois que c'est depuis l'hélicoptère qu'il faut faire ça. J'ai un doute, mais je crois que c'est ça. Donc, on va appeler l'hélicoptère. Et attendez, juste avant, liste de date de défi, on a des trucs à valider. On va faire ça vite fait. Je crois que j'en ai loupé un. Non. Ah, les deux sont ici. Voilà. Attendez 10 secondaires, je vais juste voir un truc. Oh, on a toujours pas débloqué la prochaine mission pour les photos de Paz. Donc toutes les missions secondaires, je vous spoil un petit peu, ça va être que des soldats errants à extraire, hein, donc rien de compliqué à chaque fois. Donc l'hélico. Hop. Avec le petit reflet du soleil. Il est magnifique ce jeu, putain. Je sais pas, je le dis, je sais, mais... Mon dieu, qu'est-ce qu'il est magnifique ce jeu. Ah, allez, on se casse. Enfin, peut-être que je vais revenir aux eaux si ça marche depuis l'hélicoptère. Mais je crois que c'est comme ça, je crois que c'est depuis l'hélicoptère qu'on peut se rendre jusqu'aux eaux. C'est assez spécial. Mais à mes souvenirs, je crois que j'avais fait ça. On va bien voir. Oh, il y a un truc ici, là. Mais je crois que ça, on peut toujours pas aller les récupérer. Enfin, peut-être que si, maintenant. On verra ça la prochaine fois. Il y en a combien de minutes de vidéo? On est à 30 minutes déjà. Donc je pense qu'on va faire ça. Je vais voir si je peux aller jusqu'aux eaux. Et puis je vais pas commencer la mission dès cet épisode. La prochaine mission principale, je ferai ça pour le prochain épisode. Donc je vais enregistrer le prochain épisode tout de suite après celui-là. Donc, bonus du jour, ok. Parce que maintenant tu t'affiches le bonus, pourquoi pas. Hop, des petits jetons. Mother Base. Attendez. Tout ça, ok. Mission retour à la Mother Base. Et est-ce que c'est d'ici qu'on peut le faire? Ah, on peut pas le faire d'ici. Intéressant. Ah, je sais plus comment on fait pour se rendre aux eaux. Si vous le savez, vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que j'ai plus aucune idée. Peut-être on peut pas y aller encore, mais ça me paraît bizarre, quoi. J'essaye de voir comme ça s'il y a un truc qui ressemble à un zoo. Mais je pense pas. Ah, quoique peut-être c'est ici. Pratique sur cible. Ouais, je sais pas. Enfin bref. Je pense qu'on va se laisser là, hein. Et puis durant le prochain épisode, donc moi je vais enregistrer tout de suite après, je vous ai dit, on s'attaquera à la prochaine mission des voix, sauver Shabani, le leader des garçons qui ont été forcés de travailler dans la mine. Il a été emmené à la zone industrielle de Goomba, l'endroit que les gens du coin appellent la maison du diable. Voilà, tout un programme encore. Donc je sais ce qui va se passer encore une fois. Ça promet cette mission aussi. Et donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à les commenter dans les commentaires. Voilà, de laisser un petit like aussi si ça vous a plu. Alors que là, Croyette, elle est posée, elle est allongée. C'est comme chez elle. Et donc ouais, de partager ma chaîne si
si vous aimez ce que je fais, de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 39, si je dis pas de bêtises. Ça doit être ça, ouais, 39. Allez, portez-vous bien tout le monde, restez zen, et à la prochaine. Salut, salut.